Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Gameonitron, votre rendez-vous de jeux vidéo et de culture geek que vous retrouvez tous les lundis, c'est de 21h à 22h en direct sur Radio Campus Clermont-Ferrand, que vous retrouvez sur notre site gameonitron.fr, voilà, que vous pouvez écouter directement, vous pouvez voir toutes nos anciennes émissions, les émissions à venir également, écouter les podcasts, les télécharger, même écouter en sur YouTube, c'est la grande débandade, Gameonitron, et puis Facebook et Twitter pour nous insulter, ça fait toujours plaisir, bien évidemment. Ah, Nicolas, salut, ouais, Nico. Salut. Ça va, ta forme? Ouais, très bien. Tranquille. Ouais. Bon, alors ce soir, c'est Colossal Japan numéro 3, Back to School, le retour à l'école pour parler de Persona, évidemment, les jeux qui se passent dans ces milieux scolaires dont on va décrypter tout ça, les 4 épisodes principaux, hein, bien sûr, et c'est en attendant, évidemment, la sortie du 5e épisode, Persona 5, qui est... On va pas se cacher, Nico, qui est le jeu qu'on attend le plus cette année, oui. Hein, clairement, de 2017, donc on va espérer qu'il soit à la hauteur, et c'est pour ça qu'on revient sur l'ensemble des épisodes de la saga. Avant la semaine prochaine, on parlera de Persona 5 en long, en large, mais peut-être pas en travers. Mais ça, on verra ça, évidemment, la semaine prochaine, même si on peut déjà d'ores et déjà vous dire... C'est pas trop mal parti, on aime bien. Donc voilà, la saga Persona, les 4 épisodes dont on va parler, puis évidemment tous les épisodes qu'il y a eu autour de cette saga, qui a quand même une... j'ai envie de dire un parcours assez atypique, hein, parce que de passer de là où ils ont commencé jusqu'à là où ils arrivent, donc avec Persona 5, c'est quand même le grand écart, quoi. Ouais, oui, complètement. Je pense qu'on peut dire ça... Sans trop se tromper, c'est le grand écart. Alors évidemment, on passera en revue tous les épisodes. Donc j'ai dit, il y en a 4. On parlera de ce qui s'est fait autour. Également, c'est une saga qui a un peu plus de 20 ans maintenant. Oui, bah, puisque Persona 5, les 20 ans de la série. Ouais, tout à fait. Donc il faut savoir que Persona 5 est sorti l'année dernière au Japon, qu'il y a déjà pas mal de choses qui ont été dites à propos du jeu, et c'est vrai que nous on attendait avec impatience, mais c'est normal, parce que Persona, d'année en année, c'est une licence qui c'est beaucoup fait découvrir par les joueurs, déjà japonais, parce qu'ils n'étaient pas tous fans du jeu, et puis après des occidentaux. Et c'est vrai que pour le coup, on a une licence qui est quand même vraiment, comme je dis, atypique, et en plus de ça, qui est devenue incontournable dans le milieu des jeux vidéo. Je vais pas m'arrêter que au JRPG, mais dans le jeu vidéo tout court. Donc ça, c'est quelque chose dont on va revenir au cours de cette émission, donc sur Colossal Japan numéro 3. Décidément, on parle vraiment que de super jeux dans l'émission. Non ? Non, j'aime pas quand notre égard c'était de la merde. J'aime pas les jeux vidéo. Rendez-moi Watch Dogs. Mass Effect Andromeda. C'est pas des jeux vidéo, ça. Il est taré, ce mec. Il est fou. Voilà, donc tout ça, c'est évidemment dans notre 137e émission de Gameonitron consacrée à la saga Persona. Et on commence tout de suite, directement, par vous parler de Atlus. Ah, t'y as cru, hein?
Ouais, moi aussi. Atlus, bah, c'est quoi Atlus? C'est les développeurs, hein, évidemment, de la saga Persona, qui est un studio japonais qui a été créé en 1986 et qui, dès l'année d'après, je crois, a lancé donc, leur premier jeu qui s'appelait A Digital Devil Story Megami Tensei. Alors, j'ai essayé de me renseigner un peu sur ce jeu. C'est pas évident de trouver des sources sûres, ouais, parce que le jeu est sorti donc que au Japon et puis je pense que pas beaucoup de gens l'avaient fait à l'époque. En tout cas, alors, de ce que j'ai cru comprendre, c'est ils se sont inspirés d'un bouquin pour faire ce jeu, pour faire le scénario du jeu. Mais disons que ça va vraiment donner voilà, le ton de ce que Atlus va faire par la suite, c'est-à-dire des jeux assez difficiles dans un univers cyberpunk. Voilà, pour résumer grossièrement, vous jouez quasiment tout le temps des étudiants qui vont devoir faire face dans leur ville ou dans le, en tout cas dans le Japon à une horde de monstres digitaux sortis de rites sataniques, voilà, un mélange de, d'occultisme et, de, et d'informatique, voilà, pour rendre un univers très noir, un peu moderne également, le tout sous fond de capture de monstres qu'on peut récupérer et faire combattre à notre place, un peu comme les Pokémon, le 18 en plus, en plus. Voilà, grosso modo, avec des trames assez noires, comme j'ai dit, des jeux assez, assez compliqués. Alors, Megami Tensei va se transformer en Shin Megami Tensei, qui va être la série phare jusqu'à présent du studio japonais Atlus. Alors nous, c'est vrai qu'en Occident, on va mettre des années avant d'avoir de goûter un petit peu ces, ces jeux-là. Je crois qu'en France, le premier jeu à sortir, c'est Shin Megami Tensei 3, ouais, hein, qui était sur PS2. Voilà, Lucifer's Call. Donc c'est pour se dire, hein, ça vient dans les années 2000, alors que la saga commence en, en 80, dans fin des années 80. Et puis c'est une saga, donc Shin Megami Tensei, qui est bah, comme Final Fantasy, Dragon Quest, tout ça, possède des épisodes spin-off, hein, je rappelle, c'est des épisodes donc, qui prennent le nom de base, donc là pour le coup Shin Megami Tensei, et qui utilisent le nom et un peu l'univers pour faire quelque chose d'un peu différent que la saga de base, voilà. Et donc il y a pas mal de spin-off de Shin Megami Tensei, il y a Devil Summoner, Devil Survivor, Digital Devil Saga, excellentissime d'ailleurs, on en reparlera sur un coup de notre colossal, ouais, Japon, celui-ci on va pas le, on l'oublie pas, et vient en 1996 sur la première PlayStation Shin Megami Tensei Persona, donc qui sortira en 96, donc voilà, il y a 21 ans maintenant. Alors le jeu, il est resté assez confidentiel. Il a été réédité sur la PSP en 2009. Moi, j'ai pu jouer à cette version-là. Et donc, on va tout de suite, enfin, je vais tout de suite, parce que l'autre crevard, là, il n'y a même pas joué. Bah, si, je l'ai fait, Persona. C'est vrai? Oui. Ah, tu ne me l'avais pas dit? Bah, si, je l'ai fait. Merde. Bah. Ah, mon insulte tombe à plat. Ouais, ouais. Ah, 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 tu t'en sortiras pas comme ça, vivant. Et ben, on va tout de suite, tous les deux, comme des PD, parler du. De l'ébauche, voilà, du début de la grande saga qui est Persona.
Persona, premier du nom. Alors ne rêvez pas, cette musique que vous avez entendue, elle a bien été dans le portage PSP, pas dans la version d'origine. Hein. Faut pas déconner non plus, ils étaient pas non plus super hype les mecs à l'époque. Hein. Loin de là, et ça vous allez tout de suite comprendre. Alors, Persona, de quoi ça parle? Donc on est dans une époque relativement moderne. Dans la ville imaginaire de Mikagecho, et on joue en fait des jeunes collégiens qui viennent du collège de Saint-Hermelin. On s'en fout, mais ils viennent de là-bas. Et en fait, ils s'amusent à un jeu un peu particulier, en fait, qui vient d'une légende urbaine. En gros, voilà, en faisant une espèce d'expérience dans une salle, les personnes peuvent invoquer ce qu'ils appellent un persona, une espèce de monstre qui sortirait de vous, voilà. Et donc, ils veulent savoir si cette légende urbaine est vraie. Et donc, avec notre héros, donc, qui est un héros muet, hein, vous pouvez lui donner le nom que vous voulez, le début du jeu commence où ben, lui, le héros et ses camarades de classe sont en train de tenter d'expérience. Et expérience, elle va vite tourner mal, puisque en fait, il y a une espèce de tremblement. Et là, d'un seul coup, il y a une jeune fille avec un air un petit peu fantomatique qui apparaît. Et à ce moment-là, en fait, tout le monde la voit, tout le monde s'évanouit. Un peu comme quand on voit Nico en pleine rue. Ouais, c'est très difficile à vivre. Ah ouais, moi je survécu, mais la première fois, j'ai été foudroyé, quoi. Et tout le monde s'évanouit. Et en fait, dans leur sommeil, finalement, il y a un homme qui est habillé tout en blanc, avec un masque, avec un papillon dessus, en fait, qui vient leur parler avec un ton un peu énigmatique. Il leur parle de leur moi intérieur, tout ça. Bref, un truc incompréhensible. Donc, alors, tout le monde se réveille, tout ça, machin. Ils se regardent, ils disent ah, ça va, toi, t'as rêvé de ce mec. Ouais, moi aussi, putain, c'est chelou. Ouais, bon, c'est pas grave, on s'en fout. Parce que, sûrement, ils n'ont pas trop le temps de réfléchir. Ils sont censés aller rendre visite à leur camarade de Maki, en fait, qui est une jeune fille de leur école, mais qui est gravement malade, pardon, et qui est hospitalisée. Donc ils se rendent à l'hôpital, et en fait, alors qu'ils sont en train de lui parler, tout ça machin, donc la jeune fille, en fait, fait une rechute et est emmenée directement en soins intensifs. Et à ce moment là en fait, il y a encore un espèce de tremblement qui se passe, et là, quand il commence à sortir de l'hôpital, nos camarades sont confrontés à une horde de monstres qui a envahi la ville de Mikagecho. Donc sur le moment, ils comprennent pas, mais ils sont obligés de combattre ces bestioles qui tentent de les tuer, tout simplement. Et c'est à ce moment-là que notre héros, pris d'un moment d'instinct, j'ai envie de dire, arrive à invoquer une espèce de monstre qui sort de lui, donc qui est, vous l'aurez compris, un persona, qui est la représentation de son moi intérieur, et une espèce de monstre donc qui a des pouvoirs magiques et qui permet donc d'affronter les monstres. Et c'est pareil pour ses camarades, c'est-à-dire ils ont tous le pouvoir d'invoquer donc ces personas, ces espèces de doubles un peu monstrueux qui leur permettent d'affronter les monstres à armes égales. Voilà, grosso modo. Et donc, ils décident de parcourir la ville de Mikagecho pour savoir ce qui se passe dans cette ville, d'où ça vient, d'où viennent ces monstres. Évidemment, essayer de les jarter. Hein, s'ils pouvaient aller dans la ville d'en face, ça les arrangerait bien. Et donc, c'est en essayant d'enquêter que Maki, la jeune fille malade il y a quelques heures avant, elle réapparaît en pleine forme, tout ça, elle se joue en groupe, et elle aussi a la possibilité d'invoquer son persona. Si elle n'est pas chelou, elle, hein, c'est que je ne m'y connais pas. Alors, c'est ça, grosso modo, le pitch du premier persona, hein, ça annonce le ton pour le reste de la série. Alors, concrètement, aujourd'hui, moi je vais tout de suite le dire, ce jeu est obsolète. Il n'y a pas de grands intérêts à y jouer. Alors déjà, d'un point de vue technique, c'est pas aujourd'hui, c'est plus du tout beau. Je crois que ça n'a jamais été, de toute manière. C'est-à-dire que vous avez une vue du dessus sur les personnages, il n'y a pas de détails. Et c'est vrai que quand je dis obsolète, c'est que dans sa prise en main, c'est assez lourd à jouer. Les déplacements dans les menus, c'est pas très ergonomique. Alors, attention, vous soyez bien d'accord, je dis ça, c'est pas comme... je dis pas ça parce que genre c'est un vieux jeu, tout ça. Non, on a parlé de Chrono Trigger dans le premier Colossal Japan, et lui, on vous le conseille totalement, quoi. Il est jouable, voilà, vous pouvez jouer dans les menus, tout ça, il n'y a pas de problème, il est encore joli. Persona, il est moche, maintenant. Non mais c'est vrai, il est pas très très beau. Et c'est vrai que pour le coup, moi je vous le déconseille.
En plus de ça, c'est vrai que donc quand vous baladez dans des zones où il y a des PNJ, donc vous voyez les personnages d'en haut, donc vous pouvez les diriger à peu près bien. Mais quand vous rentrez dans les donjons, en fait, vous avez une vue FPS, c'est-à-dire que vous êtes vraiment une vue intérieure. Et moi, franchement, je le dis, j'ai eu je ne sais combien de fois mal au cœur, mais véritablement. Je pense que les gens qui sont un peu malades en voiture, quand ils sont à l'arrière, je pense qu'ils peuvent me comprendre. J'ai vraiment eu la gerbe plusieurs fois parce que cette vue intérieure avec ce côté un peu labyrinthique du jeu, c'est une horreur. Franchement, c'est une horreur. Alors, il y a des jeux encore comme ça aujourd'hui, comme Etrian Odyssey ou Persona Q, qui est sorti sur Nintendo 3DS. Mais j'ai du mal à m'y faire, mais c'est quand même un petit peu mieux fait, c'est un peu plus visible. Que là, c'est très... voilà, les décors sont très fermés, on n'est que dans des couloirs. Enfin, c'est assez particulier à jouer. Alors, donc techniquement, c'est pas une réussite. Pour ce qui est du gameplay, du système de combat plutôt, alors il faut savoir que donc c'est un système de combat à la base relativement classique ou un système de tour par tour. Le jeu, en fait, grosso modo, soit vous allez affronter vos adversaires avec donc les armes de vos héros. Alors il y en a qui utilisent des lances, d'autres un flingue, d'autres des couteaux, d'autres je sais plus quoi, ses poings, enfin bref, peu importe. Et donc vous pouvez utiliser les personas, donc ces monstres que vous pouvez invoquer. Donc il y a les personas ont plusieurs types d'attaques. Il y en a certaines qui vont consommer l'équivalent des points de magie dans les JRPG et d'autres attaques qui vont consommer directement vos points de vie à vous. Donc voilà, c'est pas très cool, mais c'est comme ça. C'est ce qui rend le jeu un peu difficile. Hein, le premier persona oblige. Et voilà, évidemment, vous avez toutes les potions, tout ça. Et il faut savoir que vous avez un système dans lequel vous pouvez recruter des monstres. Alors, c'est un peu aléatoire, moi, j'aime pas trop. C'est-à-dire que les monstres, en fait, vont venir vous parler au début d'un combat. Et en fait, vous allez devoir, un peu au hasard, essayer de répondre à ce qu'ils veulent. Et ils vont peut-être rentrer dans votre équipe ou pas. S'ils rentrent dans votre équipe, après, vous pouvez les utiliser pour combattre. Vous pourrez après, petit à petit, les fusionner pour donner lieu à des plus puissants personnages, etc. Donc, le système de combat, c'est la base. Ça reste assez simpliste, mais c'est ce qui va être repris dans les autres personnages qui vont suivre. Alors, par contre, le scénario est plutôt intéressant, même si au début, il a du mal un peu à se lancer. Nico, bah, tu m'as dit que tu l'avais fini ? Oui, je l'avais fini sur la PSP. Qu'est-ce que t'en as pensé ? Ouais, moi aussi. Ouais. Parce que la version PlayStation, alors déjà que la version PSP c'est limite, mais la version PlayStation c'est même pas la peine d'y jouer parce qu'elle est. C'est ça. Elle fait mal aux yeux. C'est exactement ça. Scénario, tiens, qu'est-ce que t'en as pensé ? Ouais, moi j'ai trouvé que le scénario était bien foutu. Et effectivement, ouais. Ça met beaucoup de temps à démarrer par contre. Ouais, je trouve aussi. Il faut un certain temps avant qu'il se passe des choses intéressantes, mais il faut qu'on ait. Dans l'histoire Oui, ça devient plutôt pas mal. Les personnages sont un peu clichés, mais ça va, ça se passe plutôt bien. Puis c'est vrai qu'il y avait pas à l'époque, je pense en 96, il y avait pas beaucoup de jeux qui se passaient dans un univers moderne avec des écoliers, avec une ville réelle. C'est vrai qu'il Persona, pas 50, en fait. Il a lancé quelque chose qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir. C'est ça, parce que même les jeux Shin Megami Tensei, donc la série de base, se passe dans une époque moderne, mais va très vite changer le monde. Hein. Le monde va être bouleversé. Par exemple, Shin Megami Tensei 3, au début, vous baladez dans un monde à peu près réel, et puis très rapidement dans le jeu, le monde va être totalement détruit, c'est l'apocalypse, tout ça, vous allez retrouver dans une espèce de dimension un peu bizarre. C'est un petit peu ça, Shin Megami Tensei, que là, Persona, vous êtes dans votre monde, vous allez vous balader entre votre école, le supermarché, je sais pas, le musée, tout ça, enfin, des lieux à peu près communs du monde réel. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas énormément de jeux qui le faisaient à l'époque. Après, il y a Shadow Hearts, par exemple, qui le faisait, etc. Mais effectivement, il n'y a pas beaucoup de jeux, et c'est vrai que c'est un peu l'originalité qu'il y a. Et une chose, alors moi, que j'ai vraiment apprécié, c'était les musiques du premier Persona, parce que, alors, ils les ont retravaillées quasiment toutes pour le jeu, parce que je pense que, de ce que je peux comprendre, les musiques de la première version sur PS1, c'était une catastrophe. Et là, en fait, ils ont retravaillé à la façon des Persona 3 et 4, et du coup, c'est un peu plus cool. D'où les musiques que vous avez pu entendre, ouais. Qui sont plus sympas avec les chanteuses et chanteurs qu'on connaît sur Persona 3 et 4, qui sont vraiment, vraiment excellents. Parce que ouais, je confirme que les musiques de la version PlayStation, elles sont horribles. Quoi. En gros, la musique de la map, dans la version PlayStation, dans une espèce de hip-hop, mais avec un mec qui... avec une voix digitalisée, mais c'est tellement mal fait, on dirait un chien qui aboie, en fait. Ouais, que là, c'est beaucoup plus moderne, enfin, ça passe vraiment, vraiment bien, donc pour le coup, c'est vraiment cool. Mais par contre, voilà, pour finir sur le premier Persona, je ne peux pas vous conseiller ce jeu. Aujourd'hui, en plus de ça, il est difficile, il y a plein de combats aléatoires qui arrivent toutes les 10 secondes, c'est un peu chiant. Alors après, vous avez sur PSP, vous avez toujours la possibilité de mettre le jeu en mode facile. C'est vrai que si vous voulez faire le jeu pour le scénario, oui, vous pouvez, franchement, vous n'aurez pas de honte à le faire parce que c'est en mode normal, c'est une horreur, ce jeu, c'est une horreur.
Non, mais faut pas avoir honte de le mettre en facile, perso. Non, faut pas avoir honte. De toute façon, c'est l'équivalent du mode normal. Ouais, voilà. Donc, non, voilà. Donc, premier Persona, moi, je vous le conseille pas spécialement. Je sais pas, je te donne ton avis, Nico, mais je te donnerai ton avis. Mais moi, je le conseille pas spécialement. C'est trop, aujourd'hui, c'est trop vieux, trop obsolète pour, sur pas mal de choses, sur ses mécaniques. Même si le scénario relève un petit peu l'ensemble du jeu, les personnages sont à peu près, sont pas trop mal, voilà, mais c'était les prémices, voilà. Il y avait quelque chose dans le système de combat, dans l'univers, tout ça, mais c'était pas encore ça, quoi. Voilà, clairement. Nico. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Il a beaucoup trop mal vieilli, le premier Persona, pour même s'ils ont fait des efforts sur la version PSP, ça reste quand même très 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 archaïque, très très dur à prendre en main. Voilà, donc plus que moyen. Est-ce qu'il va en être pareil pour sa suite Persona 2 Innocent Sin? On va le découvrir tout de suite. Persona 2 Innocent Sin. Alors je précise, Persona 2 Innocent Sin, son sous-titre. Et alors le jeu est sorti en 1999 au Japon sur la PS1. Et en fait, Persona 2 a la particularité d'être un diptyque, c'est-à-dire que c'est un épisode en deux épisodes. Donc il y a deux Persona 2. Voilà, c'est pas compliqué. Il y en a un, Innocent Sin, et le deuxième, Eternal Punishment, dont on parlera juste après. Mais là, on se concentre sur Innocent Sin, qui est une histoire assez rigolote. Enfin, rigolote, oui. Pas trop rigolo. Non, ce que je voulais dire, c'est que le jeu a été sorti que au Japon pendant des années, puisque si les Américains voulaient le sortir chez nous, enfin, aux États-Unis, pardon, en Occident, il aurait été complètement censuré. Totalement censuré parce que, alors déjà, le premier Persona a subi une grosse censure. Ah oui, il a été charcuté, c'est pas de la censure, c'est il a été charcuté. Voilà, et le 2, ça aurait été pareil, voire pire, et du coup, les Américains ont refusé finalement d'éditer le jeu dans leur pays. C'est pour ça qu'il est resté qu'au Japon. Il faudra attendre donc sa version PSP qui sortira en 2011, donc là, et tout le monde y aura droit, pas de censure ni rien, donc, et même nous en Europe, hein, on aura le jeu en boîte en plus de ça. Il a été censuré, donc je vais vous dire pourquoi, mais d'abord, de quoi ça parle? Alors, on incarne Tatsuya Suhu. Alors, vous pourrez lui donner le nom que vous voulez, mais ils lui ont donné un nom de base. Il vit dans la ville de Sumaru avec ses amis Eikichi et Elisa. Et ils vont tenter de réaliser, un peu comme dans le premier épisode, une espèce de légende urbaine. Hein. Vous savez, un petit peu comme... comment ça s'appelle, Bloody Mary, vous savez, vous répétez Bloody Mary dans un miroir plusieurs fois, et puis il y a Bloody Mary, enfin la Marie ensanglantée, qui apparaît dans le miroir, et puis vous faites « Ah mon Dieu, d'où ça vient ?» Ça, c'est quand je me regarde le matin. Bloody Nico, puis hop, il apparaît de « Ah, son sexe !» Bref, c'est un peu pareil, c'est un peu pareil. D'ailleurs, il y a une légende urbaine à Clermont qui dit que si vous répétez Gémonitron, Gémonitron, Gémonitron devant votre poste de radio, les deux animateurs de Gémonitron apparaissent, et il y en a un qui vous bourre le crâne de Final Fantasy et l'autre qui vous encule. C'est une légende urbaine, à vous de vérifier. J'imagine trop la scène. Ah oui, donc personne à deux. Donc, Tatsuya
Et Kichi et Lisa donc, tentent de réaliser une légende urbaine. En fait, si vous voulez, il est dit qu'en appelant donc, son propre numéro avec son téléphone portable, il y a un personnage en fait, qui s'appelle le Joker qui apparaît et qui peut exaucer tous les souhaits. Alors, il décide de le faire. Mais non seulement le fameux Joker, il apparaît, ce qui est déjà assez flippant, mais pire, c'est qu'il semble connaître notre ami et notre héros Tatsuya, qui est un héros muet, hein, je le rappelle. Il semble le connaître et en plus de ça, le détester à un point qui est même pas imaginable. Et en fait, pour pas le punir, mais en fait, plus pour le faire chier, il y a deux autres amis à lui qui sont dans la salle. Et en fait, Joker en fait, aspire leur âme à tous les deux. Direct, donc les mecs, c'est devenu des légumes, quoi. Ils sont là, ils bougent plus, tout ça. Et donc, ils se rendent compte de ça. Et en fait, du coup, bah, les héros vont tenter de poursuivre un petit peu ce fameux Joker, qui en plus, apparemment, semble les connaître directement. Il faut savoir que Joker, il a un masque, tout ça. Enfin, il n'est pas reconnaissable. Et donc, le jeu va être une espèce de course-poursuite entre nos héros et le Joker, évidemment, non sans avoir débloqué la faculté de libérer leur moi intérieur, hein, le fameux persona. Et ce qui est important de dire, c'est que dans leur périple, ils feront la rencontre de Maya, qui est une jeune journaliste qui va les aider. Voilà, grosso modo, le pitch de base de ce Persona 2. Alors, techniquement, là, c'est un petit peu mieux. Du coup, il n'y aura plus de phase vue à la première personne dans les donjons. Hein, on voit tout, on voit le personnage en entier, tout ça. Donc, moi, enfin voilà, pour la direction, je trouve que c'est beaucoup plus agréable. Le système de combat, on reprend la base du premier Persona avec des améliorations. C'est beaucoup plus jouable, c'est beaucoup plus fluide, ça reste quand même mieux fait, beaucoup beaucoup mieux. Le petit défaut, c'est que alors nous. Moi, j'ai fait version PSP. Je ne sais pas toi, Nico. Oui, moi aussi, j'ai jamais fait la version PSP. De toute façon, je crois qu'il n'y avait pas le choix. Oui. Faire version PSP. Et autant dans le premier Persona, ils ont retravaillé les musiques, autant dans le 2, à part la musique d'intro que vous avez entendu, qu'ils ont refaite avec une cinématique, tout ça, ok, mais le reste, j'ai l'impression qu'ils n'y ont pas retouché. Ouais, c'est un peu dommage, ça. Ouais, les musiques sont très moyennes, enfin, franchement, vous n'allez pas vous éclater sur l'OST. Mais par contre, alors là, c'est la grande force du jeu, c'est son scénario et ses personnages de façon assez clair. Donc, comme j'ai dit, le jeu déjà part sur le principe que le Joker, c'est quelqu'un qui apparaît quand on l'invoque, finalement, connaît le héros et veut vraiment lui faire les pires misères du monde. Donc déjà, il y a ça, c'est que notre héros est directement concerné. Mais c'est vrai que le jeu, déjà, va aborder des thèmes assez particuliers pour l'époque. Je rappelle qu'on est en 99. Un des thèmes qui va être censuré, c'est l'homosexualité. Parce qu'il y a un personnage qui, il aime un peu les zizi, quoi. C'est un peu ça, grosso modo. Et disons que c'est vrai que c'est des thèmes qui sont un peu inédits quand même pour l'époque et beaucoup assez original. Et c'est vrai que le jeu, en fait, on va aller de surprise en surprise. Alors, il met beaucoup de temps à démarrer, un peu comme le premier Persona. Par contre, une fois qu'il est lancé, franchement, Persona 2, moi je le dis, il est inarrêtable. C'est-à-dire qu'on va de révélation en révélation. Il se passe beaucoup de choses. Le passé des héros, c'est-à-dire leur jeunesse quand ils étaient tout gamins, est très très importante en plus de ça. On va comprendre. Alors, moi je trouve que dans le scénario, il y a un peu de récup de Final Fantasy 8 sur un point précis. Ceux qui ont fait FF8, je pense que vous ne comprenez pas de quoi je parle. Moi, je me comprends très bien vis-à-vis du passé des héros. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. FF8 était sorti, tout ça, machin, il n'y a pas de problème. Et c'est vrai que pour le coup, voilà, Persona 2 va un petit peu sur le même principe, mais on va de surprise en surprise, il y a pas mal de révélations, et surtout, il y a un scénario qui est très très bien rythmé, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne s'emmerde plus du tout pendant le jeu jusqu'à la fin. Alors, je ne dis pas qu'on s'ennuie, mais la trame se pose, tout ça, mais au bout d'un moment, vraiment, on s'emmerde plus, il y a des grandes surprises. Et pourquoi le jeu n'est jamais sorti en dehors du Japon, c'est que j'ai un peu spoilé, mais je pense que c'est un peu connu aujourd'hui, c'est qu'on va même avoir affaire à Adolf Hitler. Eh ouais, le salopard du Troisième Reich, qui va être un des antagonistes du jeu. Donc c'est aussi pour ça que les Américains ont été un peu frileux à l'époque pour traduire le jeu. Ils se sont dit, ouais, faut pas déconner les mecs, vous avez un petit peu fumé. Bref, bon, aujourd'hui, voilà, c'est évidemment, on n'y pense plus, mais c'est vrai que
c'est assez particulier de voir le moustachu là sur en bas de son écran de sa PSP, hein, c'est pas type top, mais n'empêche que ça fait partie du scénario qui se passe dans une espèce de réalité alternative à la nôtre, et franchement l'histoire et surtout les personnages, c'est excellent jusqu'à une fin qui est, pour moi, j'ai jamais vu une fin pareille, elle est incroyablement surprenante. Je m'attendais pas à ça, quoi. Franchement, pour jusqu'au bout, je m'attendais pas à ça. C'est un scénario qui a le temps. Vraiment, on s'intéresse à ce qui se passe. On est intrigué par ce qui se passe véritablement, parce que il y a des relations entre les personnages passés qui se souviennent plus aujourd'hui. Enfin, il y a vraiment pas mal de choses à dire sur le scénario. Et en plus, ça, c'était rythmé et des passages un peu action. Enfin, c'est un jeu qui est vraiment excellent et qui fait vraiment, pour moi part, je trouve, qui doit faire partie de l'âge d'or des JRPG de l'époque. Persona 2 Innocent Sin, est-ce que tu l'as fait Non, je ne l'ai pas fait. Innocent, ah, tu ne l'as pas fait celui-là. Bon, bah, on va pas trop en parler. Du coup, tu vas plus parler de l'autre épisode, puisque donc Persona 2 se termine avec une fin un peu particulière. Et comme je l'ai dit, il y a une suite à ce deuxième épisode qui s'appelle donc Persona 2 Eternal Punishment. Eternal Punishment Persona 2, donc lui est sorti en 2000 sur la PS1 et ressorti en 2012 sur PSP, mais qu'au Japon et aux États-Unis en téléchargement, je crois, il n'est jamais sorti. Ouais, on l'a pas eu, même pas en téléchargement. Donc. Ouais, les bâtards. Alors, c'est très dommage. C'est bien une suite de Persona 2 Innocent Sin, et vous allez comprendre tout l'intérêt qu'il peut y avoir à faire ces deux épisodes, puisque cette fois-ci on joue Maya, donc la jeune journaliste de Innocent Sin, qui est encore journaliste cette fois-ci, et en fait elle doit enquêter sur la rumeur d'un personnage qui s'appelle Joker, que les gens en fait invoquent un peu à la manière de du deuxième, hein, de Innocent Sin, avec les téléphones portables, tout ça machin, qui apparaît et qui peut assassiner la personne de votre choix quand vous arrivez à l'invoquer. Donc c'est un peu différent du Persona 2 Innocent Sin. Donc évidemment, vous êtes dans le flou total, je me attendais, c'est bizarre, le Joker est encore là, tout ça, machin. Donc évidemment, je vais pas vous dire pourquoi c'est comme ça, grosso modo. Alors le jeu est d'un gameplay, tout ça, c'est assez identique, hein, à Innocent Sin, donc je vais pas détailler. Nico, le scénario, moi j'ai pas fini le Eternal Punishment. Ouais, bah, moi je l'avais fait sur la PlayStation, le Eternal Punishment, donc c'était il y a un petit moment. Un bail. Mais oui, après, donc effectivement, le jeu est très, très, comme les autres, très bien ficelé. Ça s'articule par rapport aux événements du premier Persona 2, parce que ouais, voilà, ça se lie, il y a des choses. C'est difficile d'en parler sans spoiler les oui, trucs. Oui, c'est ça. C'est très bien, voilà, c'est très bien foutu, quoi, très bien écrit et très bien réalisé. Et donc là, par contre, Persona 2 devient, déjà avec le 2, ça devient vraiment costaud. Le scénario, les personnages, ils sont là. Il manque pas mal, après, d'autres choses pour faire de Persona une licence culte. Mais franchement, Persona 2, moi, je pense que c'est déjà un jeu à faire pour tous les fans des anciens JRPG, ouais, de l'époque Suikoden 2, Final Fantasy 7, etc. Persona 2, c'est à faire, quoi. Oui, complètement, quoi. Eh bien, on va commencer à rentrer cette fois-ci dans la cour des grands avec, enfin, Ce qu'on connaît et ce pourquoi Persona est aujourd'hui devenu une licence, une excellente licence, ça a commencé avec Persona 3. Last night.
Persona 3, enfin encore Shin Megami Tensei Persona 3, sorti en 2008 chez nous en France, ouais, pour une fois. Et c'est l'épisode qui va propulser la série clairement, au rang d'Oscar Codé et qui va même la rendre plus populaire que, que Shin Megami Tensei, la série dont elle est le spin-off. C'est exactement ça. À tel point qu'il y a des gens qui pensent que Shin Megami Tensei, ce sont des spin-off de Persona. c'est vous dire. Et donc, dans cet épisode, on va reprendre le système de scolaire, mais beaucoup plus poussé, ça je vais expliquer après. Donc, on y incarne un jeune homme qui n'a pas de nom, qui vient d'arriver dans une ville pour démarrer son nouvel année scolaire dans un lycée. Le Gekkokuan High School, si je me rappelle bien. Ouais, donc, il va arriver dans son lycée, il loge dans un dortoir avec d'autres camarades, tout ça. Bon, pour l'instant, tout va bien, si je puis dire. Ouais, ça sent là partout. Mais, un soir, le dortoir va être attaqué par des espèces de créatures étranges, un peu monstrueuses, un peu bizarres, qui s'en prennent aux habitants du dortoir. Et notre héros, alors qu'il est en prise avec ces créatures, va entendre une voix intérieure et il va réveiller son pouvoir, donc réveiller son persona. Donc son moi intérieur, comme on disait dans les autres jeux. D'ailleurs, il le réveille de manière très particulière, puisqu'il faut se tirer une balle de pistolet dans la tête pour invoquer son persona. Et en fait, il apprend qu'il existe une heure qui s'appelle la Dark Hour, une 25e heure de la journée qui s'appelle la Dark Hour, qui intervient à partir de minuit. Et pendant cette heure, en fait, tous les êtres humains se retrouvent figés dans des cercueils. Et quand l'heure est finie, ils oublient que pour eux, il ne s'est rien passé. Ça a été instantané. Mais il y a des créatures appelées les Shadows qui rôdent pendant cette Dark Hour et qui dévorent certains humains. Et donc le héros et les autres habitants du dortoir sont immunisés à la Dark Hour du fait qu'ils peuvent utiliser leur persona, ça les permet de rester conscients pendant cette heure. Et ils vont tenter de découvrir d'où vient cette Dark Hour et comment la stopper en fait. Et donc la particularité de ce jeu, c'est qu'en gros, on joue un lycéen, mais on va vraiment jouer un lycéen. C'est-à-dire que le jeu va nous retracer toute une année scolaire d'un lycéen japonais. En gros, on aura notre calendrier avec tous les jours de la semaine qui vont passer pour toute l'année. Et donc, chaque journée est répartie en plusieurs sections. Donc, on a le matin, la pause déjeuner, l'après-midi et le soir. Et donc, on aura les cours du matin. Alors, plus de la pause déjeuner, on voit le mec avec son petit bento en train de manger. On aura les cours de l'après-midi. Après, ça fait assez rapide, je veux dire. Par exemple, quand on assiste à un cours, ça ne dure pas trois plombes non plus. Vous avez une question parfois d'un professeur. Au début, je me rappelle, la première question, c'est combien font 1 plus 1 ? Au bout d'un moment, c'est quoi la théorie du chaos de Albert Einstein, quoi. Ça devient beaucoup plus Il y a des questions qui sont spécifiques au Japon, alors si on connaît pas trop le truc, c'est un peu chaud. Et donc, ouais, donc on va vraiment vivre cette vie scolaire, on va devoir rejoindre des clubs, puisqu'au Japon, dans les lycées, ils vont dans des clubs. Clubs de sport, clubs artistiques, etc. On va devoir trouver des petits boulots pour se faire un petit peu d'argent de poche. Ouais. Et donc, il faudra vraiment répartir ses journées avec son imposteur, puisqu'on ne peut pas tout faire dans ce jeu. Et en plus, il y a nos amis. Voilà, en plus, on a nos amis, puisque le jeu insiste sur les relations sociales avec d'autres personnes. C'est-à-dire que ce soit les membres du groupe du héros, c'est-à-dire qu'ils vont se battre avec lui, ou d'autres personnages qui ne prendront jamais part au combat, mais qui seront quand même amis avec le héros, on va devoir créer des liens d'amitié avec eux. Et donc, pour ce faire, déjà, il faudra engager une première conversation, puis passer un peu de temps avec les personnages pour développer le lien et le faire... le rendre plus fort. Voilà, et bien répondre à leur situation, qui sont des situations assez réalistes, finalement, de la vie courante, et même parfois très surprenantes, tellement ça peut aller loin dans ce côté où la réalité rattrape vraiment la fiction, quasiment. Et c'est écrit avec une espèce d'humanité qui est assez troublante, en fait, quand on joue à Persona 3, ce qu'on dirait pas en regardant juste le visuel du jeu, en fait. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est très bien fait. Tu auras des personnages qui ont des problèmes familiaux, d'autres qui seront un peu timides, parce que ça cachera des choses, des traumatismes qui seront vécus dans leur passé. D'autres qui sont amoureux de leur professeur. Voilà, enfin, aussi. Y a pas mal de choses différentes. Je sais plus si c'est trop dans le 4, mais où c'est sa mère ou son père est malade et à l'hôpital. Je trouve que c'est bien dans le 3. Voilà, et puis sa mère le trompe avec quelqu'un d'autre, enfin, je crois qu'il y a une histoire comme ça, il y a plein de choses assez d'histoires quotidiennes courantes mais traitées avec beaucoup de réussite, dans lequel notre héros, en fait, vous allez devoir répondre et essayer d'aller dans le sens de votre du personnage de votre ami Et plus on développe notre lien social, plus le personnage va s'ouvrir au héros. Parce qu'au début, c'est juste, oui, ça va, on va manger ensemble, blablabla. Et plus ça va, plus il va s'ouvrir au héros principal et on en apprendra plus sur le personnage en question. Et sachant que
En dehors du fait de se faire des copains, ce système a aussi une autre particularité, ce qui va influencer sur les capacités de notre personnage en combat, puisqu'il y aura des combats dans le jeu, mais je vais y revenir un peu plus tard. En gros, les liens sociaux qu'on va effectuer sont représentés sous des formes de cartes de tarot. Et ces cartes sont liées à des personas qu'on pourra avoir, qu'on pourra recruter, avoir dans notre équipe. Et en gros, plus le lien d'une carte est fort, plus les personas liés à cette carte vont être forts et vont avoir des capacités. Donc c'est important de les faire, parce que Persona est comme les trois, ces trois précédents, trois précédents, celui-là Persona 1 et les 2-2, sont des jeux difficiles. Oui, assez chaud quand même. Ouais. Et donc bien sûr, comme je le disais, il y a aussi des combats, puisqu'on ne va pas passer notre temps à se faire des copains et aller au lycée. Puisque en gros, pendant la Dark Hour, le lycée se transforme en une espèce de tour gigantesque qui s'appelle le Tartaros. Et donc nos héros pensent que c'est de là que l'origine de la Dark Hour. Et donc en gros, après les cours, on va aller explorer le Tartaros pour découvrir un peu ce qui se passe. Donc en gros, c'est des couloirs remplis de shadows, ces fameuses créatures. Et on devra les affronter tout en escaladant la tour. Donc les combats, ça va être du combat au tour par tour, mais très très rythmé, c'est-à-dire beaucoup plus rythmé que Persona 1 et les deux Persona 2. Donc on pourra attaquer, appeler notre Persona, utiliser des objets. Alors un gros défaut, c'est qu'on peut contrôler que le héros. C'est-à-dire que les autres personnages sont contrôlés par la console et avec une IA qui peut être absolument catastrophique et nous plomber des situations critiques où le mec, au lieu de soigner un coéquipier, va lancer un sort à la con sur un boss. En sachant qu'il y a une version, un portage PSP un peu, moi je trouve, un petit peu au rabais. Parce qu'ils ont enlevé des trucs et c'est un peu dommage. Voilà, mais par contre, on peut diriger de loin les autres personnages. Donc voilà, c'est bien un côté un petit peu amélioré malgré tout. Et le tout dans une ambiance avec des musiques un peu hip-hop, un peu funky, un peu stylé, le tout très stylisé. Shoji Meguro avec le chanteur Lotus Joyce, jus de Lotus en fait, grosso modo. Lotus Juice, voilà, si vous préférez. Excellent, puis deux autres chanteuses également, et c'est une grosse réussite musicale, le Persona 3. Alors, en plus, c'est un jeu qui aura une durée de vie colossale, puisque faire toute cette année scolaire, ça va nous prendre au bas bout une bonne soixantaine d'heures pour en arriver jusqu'au bout. Et l'exploration du Tartarus. Voilà. Et puis, il y a beaucoup de choses qui sont réalistes, parce que vous allez explorer le Tartarus, forcément, vos personnages vont être fatigués. Et il y a des moments, en fait, il y a des personnages qui ne veulent pas venir avec vous. Ouais, parce qu'ils sont crevés, donc en gros, il va falloir switcher avec les autres membres du groupe. Et puis, vous avez des examens, comme au Japon, comme en France, bac blanc, par exemple. C'est pareil. Et puis, avant la période d'examen, en fait, vous allez avoir une série de questions tous les jours. Vous n'avez pas exploré le Tartarus parce que vous avez des cours à faire quand même. Et et votre avenir, les jeunes, oui, tout à fait. Et oui, et donc voilà, donc c'est un jeu qui montrait vraiment quelque chose qu'on n'avait jamais vu jusqu'à présent. C'est une simulation de vie lycéenne. Et les gens, quand le jeu est sorti, il a eu un succès assez phénoménal, un succès critique. Oui, parce qu'il est très bien. En plus, il y a un scénario qui est assez sombre derrière, qui a pas mal de rebondissements. Il y a tout ce côté lien social avec les personnages, avec, comme j'ai dit, plein d'histoires très différentes et souvent très réalistes. Les musiques qui sont excellentes en plus de ça, on ne s'attend pas forcément à écouter ça, c'est très moderne. Donc le système de combat, le gameplay, tout ça, c'est vrai que tout le jeu est original et en plus de ça excellent à quasiment tous les niveaux. Graphiquement, il est peut-être juste un peu simple, mais il a quand même de la gueule. Ça passe tout à fait. Il a quand même de la gueule. Un défaut, c'est le donjon qu'on fait, le Tartarus. En gros, c'est que des couloirs qui ont la même gueule et juste la couleur des murs qui change en fonction des étages. C'est un peu répétitif. Et c'est un peu chiant à explorer en fait. On s'y ennuie un peu quand on explore ce donjon. Ouais. Mais bon, ça sera remédié dans les autres épisodes. Ouais, non mais tout à fait. Non mais c'est vrai que pour le coup le Persona 3 c'est un jeu à faire quoi. Clairement, ah oui, complètement, lui c'est un des carrément. Excellents jeux RPG vraiment à faire au cours de sa vie. Et moi c'est vrai que j'ai découvert la licence avec Persona 3, je m'attendais pas à ça du tout quoi. Mais alors pas du tout, je l'avais acheté comme ça, j'ai dit ouais ça a l'air certainement très bien. C'était bien meilleur que ce que je pensais. Il faut savoir donc qu'il y a aussi une suite qui s'appelle Persona 3 FES, qui est un espèce d'add-on finalement à Persona 3, où vous avez un jeu bonus qui dure alors pas mal d'heures, je crois entre 20 et 30 heures, qui est la suite de Persona 3, donc c'est, vous avez Persona 3 à la fin, et vous avez une suite qui est excellente, alors qui est balèze par contre. Ah oui, ultra difficile, mais scénaristiquement qui est franchement génial et qui conclut parfaitement le jeu. Et vous avez également un animé qui sort en ce moment, Persona 3, qui sera en 4 films, qui représentent 4 saisons de l'année scolaire, qui ont une qualité visuelle absolument exceptionnelle que je vous recommande, parce que ça sort en DVD Blu-ray. Ça sort en DVD Blu-ray, voilà. Et on s'arrête pas là, puisqu'il y a également Persona 4 qui lui est sorti en 2000.
Persona 4 qui lui est sorti en 2009 en France également. Ouais. Persona 4. Alors moi j'avoue qu'à la base je voulais pas l'acheter le jeu parce que de base je trouvais qu'il ressemblait beaucoup trop à Persona 3 de loin. Et puis finalement j'avais un peu d'argent, j'ai dit bon allez je vais l'acheter également. Enfin, j'ai pas été déçu. En fait, il y a beaucoup de gens qui étaient sceptiques quand ils ont annoncé Persona 3, quand ils ont annoncé Persona 4. Moi aussi, puisqu'on se disait mais ils ont frappé un tellement gros coup avec le 3. Le 4 ça va être un peu la même chose mais peut-être moins original et on avait pas tout à fait tort finalement. Ouais mais bon quand même Donc bah, alors Persona 4 bah, donc comme le troisième épisode on y incarne un jeune lycéen qui arrive dans une ville pour son année scolaire. Là c'est une ville de campagne, la ville de Inaba, c'est une ville fictive hein, elle n'existe pas en vrai. Et donc bah, notre héros va loger chez son oncle qui vit c'est un père qui vit seul avec sa fille d'une dizaine d'années. Et bah, il va découvrir cette ville et son nouveau lycée. Et en fait, il y a deux événements qui se passent un peu quand il arrive. Déjà, il y a des gens qui sont retrouvés morts, le corps accroché après des antennes de télévision. Donc, très très glauque. Et il y a une légende urbaine qui dit que quand on regarde un écran de télé éteint la nuit quand il pleut, on peut voir notre âme sœur apparaître sur l'écran. Mmh. Et donc, bah, notre héros va tester ça. Effectivement, l'écran se brouille et il voit une silhouette. Et ils vont discuter avec ses copains et ils vont se rendre compte qu'ils peuvent rentrer à l'intérieur de leur téléviseur. Ouais, ils peuvent mettre la main et puis ils se trouvent happés par la... Voilà, ils vont se retrouver dans une espèce de monde étrange où ils vont être recueillis par une espèce d'ours en peluche qui s'appelle Teddy. Qui leur explique bah, qu'il vit dans ce monde depuis toujours. Et depuis quelques temps, il y a un mec qui s'amuse à jeter des gens dans son monde. Et en fait, ce monde est peuplé de shadows et au bout d'un moment, ils finissent par attraper la personne qui est jetée. Et en fait, les gens qu'on retrouve morts accrochés après les antennes, ce sont des gens qui ont été emmenés dans ce monde et qui ont été tués par les Shadows. Ouais. Et donc, bah, en essayant de sauver une des personnes, ou en enquêtant, bah, nos héros vont être aussi attaqués et ils vont révéler leur persona qui va apparaître, donc leur moi intérieur. Et donc, en gros, les héros vont former un groupe de détectives, ils vont enquêter sur qui s'amuse à jeter les gens dans la télévision. Parce qu'il y aura d'autres personnes qui vont être propulsées dans le monde de la télé. Et le but, ce sera de les sauver avant que les Shadows ne les tuent. Voilà, parce que autant donc, dans Persona 3, en fait, c'était vraiment un groupe qui sait ce qui se passe, en fait. La Dark Hour, c'est une organisation qui s'appelle les Seas, je crois, ouais. Et qui s'occupe de ça, dont notre héros fait partie, mais ils ont un patron, tout ça, qui les dirige dans leur mission et tout. Que là, dans Persona 4, ils disent, de toute façon, les flics ne nous croiront jamais. Et du coup, on va essayer d'enquêter nous-mêmes avec nos moyens. C'est-à-dire qu'ils ont pas de... Voilà, ils ont juste leur propre réflexion. Et en fait, ce qui est assez dingue, c'est que ce dont nous, on peut réfléchir à ce moment-là du jeu, bah, c'est les personnages qui le traduisent. Enfin, je sais pas comment ils ont fait, mais ils doivent avoir des psychologues de malades quoi, dans leur équipe chez Atlus, parce que du coup, c'est vraiment ce qu'on penserait à ce moment-là, en fait. Ils se font des petites réunions entre eux en disant « Ouais, alors moi, je pense que ça peut être fait comme ça. Ouais, mais tu crois pas, toi, que s'ils ont fait ça comme ça ?» Enfin, voilà, et c'est vraiment... Vous allez vraiment avoir des phases de dialogue parfois un peu longues, mais qui sont assez passionnantes, parce que si vous êtes pris par le scénario, vous pensez à la même chose que les héros, en fait. C'est ça qui est excellent, ouais. Ouais, tout à fait. C'est vraiment bien, très bien foutu. Mmh. Donc, bah, on va retrouver le côté année scolaire comme Persona 3, mais un peu mieux travaillé, un peu mieux construit. Un peu plus fluide. Voilà, un peu moins lourd. Ça peut être un peu lourd des fois dans Persona 3. Et pareil, on aura les liens sociaux qu'on va pouvoir créer avec les. Bah après, les autres, forme change très peu. Voilà, la forme change peu. Le système de combat reste similaire. Voilà, au par troisième. Contre, là, on peut contrôler enfin les autres membres de l'équipe, ce qui est beaucoup plus, clair. Les musiques sont toujours super cool, ouais. Voire même peut-être les meilleures de la saga pour l'instant. Bah, oui. C'est mon avis, mais voilà. Et ce qui va être intéressant, c'est au niveau des donjons cette fois, puisque là, on n'aura plus un seul donjon qu'on va explorer tous les étages.
Mais en gros, les donjons qu'on va explorer représentent la psyché de la personne qui est dans la télévision à ce moment-là. C'est ça. Ça représente les choses qu'il a en lui et qu'il refuse de s'avouer. Par exemple, il y a un des personnages qui a un côté un peu gay, refoulé, et son donjon, ça va être un sauna. Quoi. C'est ça. Ouais. Ou une autre, ça va être une boîte de nuit. Enfin, voilà, chaque personnage aura son propre truc, ce qui fait que ça rend les explorations moins pénibles, en fait. C'est ça, et le but, c'est de révéler à la personne qui se trouve au bout de son donjon, eh bien, l'être qu'il est, et de s'accepter, finalement. Voilà, il faut s'accepter, c'est pour ça. Pouvoir avec tous ses défauts, les choses qu'on peut cacher au reste de la société. Et c'est vrai que, du coup, là, le nom Persona a une vraie signification, parce que c'est un peu l'image du masque. Et donc, c'est vraiment, dans Persona 4, le masque social, en fait, qui se met. C'est-à-dire que, quand vous baladez dans la rue, bah, peut-être que vous, voilà, pour le, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais pour le moindre truc, vous allez rigoler, je sais pas, quelqu'un qui marche en tongs, ça vous fait marrer, mais dans la rue, vous avez votre masque social, vous rigolez pas, alors qu'en réalité, vous serez bidonné de rire. Ah, il est en tongs, le connard. Enfin bref, non, mais, voilà, ça peut être un peu ça, c'est vraiment le fait de s'accepter. Et c'est vrai que, autant Persona 1 et Persona 2, voilà, ce sont vraiment des JRPG qui se basent dans un milieu scolaire, mais qui ont une trame un peu en ligne droite, avec un scénario... très bien fait hein, pour le 2, mais c'est un peu comme un Final Fantasy, je ne vais pas trop dire ça, mais vous allez, c'est un jeu, voilà, vous allez d'un point A à un point B, voilà, vous allez bouger un peu partout dans la ville, tout ça pour faire évoluer le scénario. Que dans Persona 3 et 4, vous restez dans la même ville tout le temps, au même endroit, vous allez vivre tout au jour le jour, vous allez explorer des donjons. Et ça, ce qui est intéressant, c'est... ce côté très leçon faite surtout aux Japonais, ça s'adresse beaucoup aux Japonais quand même, parce que c'est une vraie. Il y a de nombreuses critiques de leur société sur beaucoup de choses qui sont très 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 intéressantes en plus de ça et qui vraiment ils en mettent plein la gueule hein, la société japonaise. C'est il y a disons qu'il y a le scénario que vous allez prendre de face qui est très bon parce que le Persona 4, par exemple, c'est un vrai thriller hein, où il faudra découvrir qui est la personne qui jette les gens dans la télé et qui veut les tuer si on n'arrive pas à les sauver à temps. C'est un vrai thriller où il va falloir découvrir l'identité ou de la tueuse du jeu. Donc c'est vraiment très bien fait. Mais derrière, il y a tous ces non-dits finalement qui concernent directement la société japonaise. Pour ceux qui sont fans des mangas japonais, tout ça machin, qui s'intéressent à la culture japonaise, vous comprendrez évidemment de quoi ils veulent parler. Et c'est vrai que ce sont des jeux qui deviennent assez sombres, surtout pour le 3 et le 4, et qui ont un côté réaliste qui est assez étendu et franchement très réussi en plus de ça. Avec un vrai message derrière, de nombreux messages derrière, parce que quasiment chaque cas, chaque ami qu'on va avoir, il y a une représentation derrière qui n'est pas juste symbolique, c'est vraiment un fait social, culturel au Japon, sur lequel Atlus a mis le doigt dessus, et c'est vrai que ça en fait des œuvres incroyablement mature, et quand je dis mature, hein, je ne pense pas à The Witcher où il faut du porno et du sang, hein, ça c'est immature au possible, et là on a vraiment un propos qui est très bien écrit, qui est juste, et en plus qui est très bien réfléchi. Et ça, c'est extrêmement rare de nos jours, et c'est ce qui fait la réussite de Persona 3 et 4, parce qu'il y a des moments, c'est vrai qu'il y a des relations avec les personnages... À un moment donné, moi, j'avoue que j'ai cru que virtuellement, c'était mes amis, quoi. Parce que comme le héros est muet, il y a des personnages, mais on s'attache tellement à eux que, putain, on aimerait que ça soit nos amis en vrai, quoi. Tellement c'est bien fait, quoi. C'est quand même quelque chose d'assez incroyable et qu'aucun jeu n'arrive à faire. Franchement, moi, je le dis, c'est des relations faites avec un tel réalisme, pour moi, je vois pas de jeu qui arrive à leur hauteur, en tout cas Persona 3 et 4, de façon assez claire. En plus de ça, Persona 4 a eu beaucoup de succès, il y a eu pas mal de jeux autour, il y a eu Persona 4 Golden, donc un portage sur PS Vita. Ouais, qui est la meilleure version de voilà, jeu. Voilà, avec un pan scénaristique en plus. Il y a eu également des jeux de combat, Persona 4 Arena et Arena Ultimax, faits par les créateurs de BlazBlue, où moi j'ai joui, concrètement. En fait, Persona, c'est une série spin-off qui a ses propres spin-off. Oui, c'est ça. Et Persona 4 Dancing All Night, qui est un jeu de rythme musical, qui a été fait par la personne qui dirige les Hatsune Miku Project Diva qui sont excellents. Donc c'est voilà, vraiment Persona 4, c'est une vraie marque de fabrique. Moi, je trouve que la saga est vraiment excellentissime sur beaucoup de points, notamment sur sa recherche de personnages, sur ses scénarios, les musiques qui sont folles. Après, système de combat, bon, voilà, je ne suis pas hyper fan. Graphiquement, ça reste plutôt simpliste pour le 3 et le 4, mais franchement, pour tout le reste,
Moi, je le dis, Persona 4, c'est un des meilleurs jeux de ma vie. Moi, il m'a transformé, ce jeu. J'ai vécu dedans. Vraiment, j'ai vécu dedans. Parce que, un petit peu moins pour le 3, mais je trouve très, très bon également. Mais j'ai vécu dans Persona 4, moi, très clairement. Toi, Nico. Ah ouais, je suis tout à fait d'accord. Persona 4 m'a beaucoup plus marqué que les autres. Alors, moi, j'avais commencé par le 2 sur PlayStation, que j'avais trouvé sympa, mais tu vois, il ne m'avait pas non plus laissé un souvenir impérissable. Ouais. Par contre, le 3, mais je me suis pris de baffe, mais alors monumental, quand j'ai découvert ce système, cette ambiance, beaucoup, tout ça. Et le 4, alors là, c'était. C'était la débandade. Ouais. La débandade, comme on dit. Voilà pour ce qui est de ce Colossal Japan numéro 3, Back to School, le retour à l'école pour la saga Persona, qui est une saga qui a commencé toute petite et qui est devenue énorme. Est-ce que Persona 5 aller dans cette continuité? Évidemment, l'émission prochaine lui sera entièrement consacrée. On commencera directement par Persona 5. On ne parlera pas d'autre chose. Persona 5 direct. Bim. Si on a le temps, on parlera d'un ou deux petites choses en plus. Mais si on a le temps, c'est vraiment le jeu qu'on attendait le plus cette année en 2017, Persona 5. Merci, Nicolas. Je vais m'étouffer en disant ton nom, putain. Merci Nicolas, merci à vous tous qui nous avez suivis. On va se retrouver donc la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Musique de fin, il y en aura deux, surtout sur le podcast. Si vous nous écoutez en direct, j'ai coupé directement, donc vous en foutez. Mais sur le podcast, il y aura deux musiques de fin. La première, la musique de fin de Persona 3, Kimi no Kyoku, que je trouve excellente. Et après, il y aura la musique de fin de Persona 4. J'arrivais pas à choisir l'une des deux, j'adore toutes les deux. Donc je vous mettrai les deux. La musique de fin de Persona 4 qui s'appelle Nevermore. Voilà, deux musiques de fin que je trouve excellentissimes. Voilà. Merci à tous de nous avoir suivis. Passez une excellente soirée, une excellente semaine. À la semaine prochaine donc pour Persona 5. Et d'ici là, tenez-vous bien. Ciao, bye bye. Ciao.
Oh,